Alors oui, c'est un Renault. Oui, il n'est pas beau. D'ailleurs, il n'est pas beau du tout, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve. Bonjour, il est 16h pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. J'espère que vous allez tous très bien. Et je me suis dit, on n'a pas le choix. On fait une mission rapide aujourd'hui. On fait une mission rapide. Je ne suis pas avec mon camion à moi. Pour la simple et bonne raison que c'est compliqué de trouver eh bien, une mission qui nous emmène à la Joséphine. Voilà, et comme promis, moi, ce que j'aimerais faire... Moi, ce que j'aimerais faire, pardon, c'est aller à la Joséphine. Du coup, j'ai trouvé une mission qui nous fait commencer à Saint-Vaury. D'ailleurs, vous savez quoi? On va juste passer par le point d'interrogation. On va passer devant Dolan-sur-Mer. On y était déjà passé. Alors, le point d'interrogation, on ne pourra pas le faire non plus. Ensuite, on va traverser. Et on va se retrouver à Château d'Ours, juste ici. On va passer par là pour prendre le point d'interrogation. Et on va terminer ici, près du concessionnaire Volvo, en fait. Et puis après, on verra si on peut aller à la Joséphine dans cette même vidéo. Aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. Aujourd'hui, les amis, je suis très excité. C'est une vidéo que je tourne à l'avance. Vous le savez très bien, puisque au moment où cette vidéo sortira, je serai chez de la famille, tranquillement, en vacances. Aujourd'hui, on transporte 14 tonnes d'huile moteur avec ce camion qui est très moche. Hein. Je suis désolé, mais il n'est pas beau. Voilà, il n'est pas beau. Je vais pas vous mentir que... Il ne me fait pas de l'œil. Hein. Bref, allez, c'est parti. On se met en position. On met le contact. On démarre la machine. Et puis voilà, on est parti. Les feux de jour. Il est quelle heure? Parce que les défauts d'éclairage, moi, ça me fait chier. 20h. Ok, bon, on va mettre les feux de croisement. Allez, hop là. On est parti, les amis. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et si c'est le cas... N'oubliez pas le pouce bleu. Ah, on n'a pas de GPS. Ah là là, c'est chiant. Ah là, on va faire ça comme ça. Ok, c'est par là qu'on sort. Allez les amis, on est y part. On va passer un bon petit moment ensemble. Alors, on a d'huile moteur, donc on va faire gaffe. Parce que ça secoue pas mal, hein, ce genre de... Bah, c'est du liquide en fait. Hein. En fait. Concrètement. Allez, on est parti les amis. Alors, je ne sais pas quand sortira cette vidéo exactement. Sachez que vendredi 13, ce sera la fin du concours à 20h pour les cartes cadeaux Guenard. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore participé et que vous êtes intéressé, allez-y maintenant, n'hésitez surtout pas. Ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description et vous le voyez en haut à droite de l'écran, mcolooff sur Instagram, les amis. Hop là, on est parti. Donc pour participer, c'est la publication concernée en fait où on voit les cartes cadeaux Guenard et vous avez juste à follow mon compte. Mon compte MColoTV et le compte de Guenard et ensuite commenter et donc sélection du gagnant, des gagnants, les 5 gagnants, le vendredi 13 à 20h. Vous serez contacté en message privé, bien évidemment, et uniquement par mon compte MColoOff, pas par un autre compte. Le reste, s'il y en a, c'est des arnaques, d'accord? Donc faites juste attention à ça. En tout cas, voilà, direction l'autoroute. On a découvert une agence de recrutement et ça, ça fait plaisir. Sachez les amis que je suis très très chaud et que je sens que je vais bien rouler, voilà. Je vous le dis, je sens que je vais bien rouler. Mine de rien, on est assez léger. Enfin, par rapport aux autres livraisons qu'on a fait, on est assez léger. On a un petit Renault qui est pas beau, mais du coup, il a de la patate. Je peux vous dire que je pense qu'on va bien s'amuser. Je le ressens là, avec les petites accélérations, c'est assez sympa. Hein. En vrai, c'est assez fun. Hop, donc on repasse par ici. Il me semble qu'on a découvert dans la dernière vidéo cet endroit, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Saint-Vaury. Eh ben oui, il pleuvait. Et là, il fait beau. Et ça, c'est stylé. Là, on profite un petit peu du beau temps. Tu vois? Donc avec une petite musique type summer. Hein, c'est sympa. Hein. Allez. Hop, je baisse le son. En fait, je pense à tous ceux qui sont chill en train de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, je suis pas chill. Aujourd'hui, je suis du genre à faire le con. Mais alors là, mon pote... Ah là, on est bien. Avec les rayons du soleil, là... Et la montagne, regardez, la montagne, elle fait des trucs bizarres. C'est une zone 30 ici. Hein. Avec ce genre de camion, on se fait des petits plaisirs. Allez, c'est parti. Alors d'ailleurs, pour en revenir sur les customisations du Sizzle Megapack dont je vous parlais dans la dernière vidéo, j'ai un peu trouvé comment ça fonctionnait. Donc... Alors là, je peux pas voir puisque c'est pas mon camion personnalisé, mais on verra à l'avenir si ça a fonctionné ce que j'ai fait. J'ai un petit peu peur, mais on verra. Donc ça, je vous tiendrai évidemment au courant. Et pour ce qui est du TikTok du jour, les amis,
je vous le propose maintenant. Regardez, alors ça va peut-être faire débat. Je vous laisse regarder comment gagner 12 minutes de bouchon. C'est le débat du jour. Aujourd'hui, c'est un débat que je vous ouvre. Cette vidéo a été postée, regardez bien, ne l'insultez pas, hein, par Sylvie. Waouh! Pardon, par Sylvius Tag. On va l'appeler Sylvain, ce sera plus simple. C'est un compte TikTok de routier. Hein. Donc, c'est un vrai routier. Pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. En tout cas, voilà la technique. Et il y en a beaucoup qui la connaissent. Après, c'est un petit peu logique. Pour gratter des bouchons, tu peux. Enfin, tu peux. Voilà ce qui est envisageable à faire. Et bah, sachez que moi, si vous voulez mon avis, je trouve ça vraiment bâtard. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. On n'est pas là pour critiquer. Mais c'est le débat du jour. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous comptez le faire? Etc. En fait, moi, je me dis qu'à partir du moment où une personne fait ça, si tout le monde le fait, bah, c'est mort. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment... Enfin, on est tous dans le même bateau. Moi, je trouve ça pas correct. Évidemment, si tu as vraiment une raison de passer par là pour faire une pause, pour faire le plein, je sais pas, c'est une station, je crois. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y a moyen de gratter légalement. Enfin, de manière légite. Mais là, juste pour gratter, enfin, juste, tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas ça correct, très sincèrement. Parce que, ben, qui es-tu de plus important que les autres pour ne pas attendre? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, petite parenthèse, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, vos avis en commentaire. En tout cas, on profite de ce beau temps, hein, ça fait vraiment plaisir. Et je suis à 90 dans une zone 70. Je suis très excité et je suis très très chaud. Je suis très très chaud, voilà. Non, mais en vrai, ça change des dernières cargaisons qu'on a eues. Donc en vrai, c'est plutôt simple à manier. On va quand même pas faire trop les cons, quoi. Hop là. En tout cas, voilà. Je dis je suis chaud, mais j'ai aussi également très très chaud. Hein, sachez-le. J'ai extrêmement chaud. Non pas qu'il fait beau. D'ailleurs, il pleut, en fait, actuellement. D'ailleurs, il pleut. C'est les averses. Franchement, c'est l'été ou pas, là? Alors, cette vidéo sortira... la semaine d'après, je sais pas comment sera la météo à ce moment-là en France, mais en tout cas, je peux vous dire que là, c'est la déprime totale. Hein. C'est la déprime totale. On n'est pas en été en fait. On n'est carrément pas en été. Ça fait plaisir de reprendre cette route. J'aime bien cette petite route. Même si on l'a pris dans le dernier épisode. Bon, par contre, les voitures cassent tout. Hein. Les voitures cassent tout. Oh là là, okay, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, on va arriver sur la traversée, du coup. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout, pouvoir faire la Joséphine. Ah, ça, je suis assez curieux. Je suis assez curieux de voir la Joséphine, comment ça va se passer. Parce que vraiment, vous m'avez tellement teasé le truc en disant que c'est vraiment pire, entre guillemets, que... Enfin, que ce sera plus surprenant que la route du paradis. Bah, sincèrement, la route du paradis m'a tellement surprise que je me demande si c'est possible de faire mieux. Alors, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, je ne doute pas des surprises que My Godness a pu nous faire. Donc, on va voir. En tout cas, on arrive sur Dolan. Dolan. Je ne sais pas comment on prononce. Mais je le prononce tel quel. Parce que j'ai envie. Voilà. Avec le soleil couchant. Je pense qu'on va rouler de nuit après. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé de nuit. C'est ce qui nous fait tourner. Mais pourquoi tu freines comme ça pour tourner, gros? Eh, t'as pas besoin de freiner comme ça. Oh! T'as pas besoin de freiner comme ça, je te jure. Mais vraiment, hein. Ouais, on peut passer par là et tout, d'accord. Bah, il a pas pris un raccourci, le camion, là. Alors, par contre, c'est limité 50. On va quand même essayer de respecter un petit peu, au moins, les agglomérations. Soyons un petit peu respectueux. Salut, les pompiers. Alors, on n'est pas encore passé par là. J'adore passer dans les villes comme ça. Même si dans le dernier épisode, vous avez vu un petit peu ma galère pour la dernière manœuvre. Mais une fois que t'as compris, bah, après c'est logique. Hein. Après, dans la vraie vie, tu fais plus attention que ça, évidemment, c'est logique. Quand tu connais pas... Mais là, en l'occurrence, j'ai pas moi, j'étais dans mon délire, là. J'avoue. Allez, on est parti pour la traversée qu'on pourrait faire finalement en ferry, en bateau, je pense. Hein. Je pense qu'on peut le faire. D'ailleurs, de ce que je vois sur la map... Non, ça doit être une entreprise de ferroviaire, du coup. Donc non, laisse tomber. On ne peut que la faire comme ça. Mais c'est parti pour une longue ligne droite qui va être, à mon avis, un petit peu pénible. Viaduc. Waouh. Alors, je dis pénible, mais en vrai... Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Oh là là. Bah là tu profites hein, tu mets ton petit régulateur. Hop là, et tu profites. Tu profites sur la petite départementale 16. Tu regardes à gauche à droite. Par contre si tu fais un accident là, mais t'as l'air con, mais c'est la merde hein. Franchement vaut mieux pas faire un accident ici je pense. Pour le coup. Et vous savez quoi, on va faire une miniature déjà là, pour être sûr. Avec les camions qui arrivent en face là, bam. Comme ça. Je pense que ça peut être pas mal, j'espère qu'ils vont pas des pop. Parce qu'on connaît Euro Truck. Et ben voilà, ils ont des pop. Mais c'était sûr en fait, je le savais. C'était d'une évidence. Bon bah ma foi. Voyons voir. Bon c'est pas grave. Ah on voit le bateau, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un bateau qu'on peut voir? Ah ouais non c'est mieux dans ce sens. On va faire ça comme ça. Ouh. Comme ça les gars. Ah mais attendez on va faire mieux. J'ai oublié qu'on peut changer le temps. On va faire mieux les gars. Parce qu'en fait là c'est pas joli. Faut prendre de devant c'est mieux. Là il y a le voilier là-bas. D'accord. Donc là tu te mets comme ça. Tu zoomes pour qu'on voie le voilier. On fait une petite rotation. Là ça tue. Et là on va changer l'heure. On va mettre le matin. Pour que le soleil se lève. Il est où le soleil? Ah le bâtard. Bah c'est déjà mieux comme ça tu vois. Et on peut peut-être changer le mode. Et ben voilà. Regardez. Ça. Ça c'est sympa. Par contre le flou, on va l'enlever un petit peu. Et là on a notre miniature. Sauf si en allant à la Joséphine on a quelque chose de très stylé. Hop, je remets juste le régulateur parce que j'ai tout cassé. Et puis voilà. Ah bah tout de suite on retrouve le vrai temps. Et c'est vrai qu'il fait sombre. Mais par contre le coucher de soleil là c'est magnifique hein. On va en profiter les amis. On va bien regarder ça les amis. On va se rincer l'œil. Rinçons-nous l'œil. Ça me plaît beaucoup. Attends, là on va calmer le régulateur. Je vois des véhicules sur le côté. Pas de véhicule derrière. Donc on va mettre l'écart de sécurité à cause du vent, du souffle. Voilà. Très très bien. Regardez le bateau là-bas. Le yacht. Non, c'est pas un yacht, c'est un petit bateau, pardon. Ah là 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 là, c'est vraiment trop stylé. Hein. C'est vraiment trop stylé pour le coup. Ok, on y arrive. Petite zone 70. Donc là pour moi c'est de la découverte, hein, vous l'aurez compris. C'est de la totale découverte. Là, là on va juste passer je crois un petit péage. Hop. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Hop là, 3 euros. Ça va, c'est cadeau. La voiture, elle est sur la voie de gauche. Et moi, je dois aller à gauche. Je dois aller à gauche. Usine Volvo, c'est ça. C'est ça. Je dois suivre Usine Volvo. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Très bien. Alors, je me concentre, hein, les amis. Là, c'est pas le moment de faire de la merde. Bon, on va attendre un petit peu derrière ce feu, mais... Très bien, bah écoutez les amis, j'espère que vous kiffez. Franchement j'espère que vous kiffez et que vous kiffez toujours autant les vidéos sur Euro Truck. Évidemment je vois toujours vos retours etc. Mais voilà, je me pose quand même la question si ça vous intéresse toujours. Parce que bah, comme j'ai fini maintenant ma série modée sur Minecraft, que vous n'avez peut-être probablement pas vu, mais n'hésitez pas à la regarder si ça peut vous intéresser. Très sincèrement c'était vraiment bien. Mais du coup bah, ça me laisse de nouveau plus d'emplacements possibles pour mon contenu Euro Truck. Évidemment LSPDFR. Mais du coup voilà, donc vraiment les vidéos Euro Truck ça va continuer encore en masse, également les convois avec abonnés. Donc vraiment j'espère que ça vous intéresse toujours autant et que cette idée de montrer des vidéos à chaque épisode, donc des TikTok, bah, j'espère que ça aussi ça vous intéresse. Alors attends, parce que là mon pote le petit Dodan, je l'ai vu. Il est petit mais à mon avis il va me faire chier. Voilà. Putain je fais ça bien. Ah, il est temps que je fasse ça bien un petit peu quand même. Putain, les palmiers, mon pote. Ah là! Ah là, on est bien. Livraison, réception. J'ai vu le panneau. Moi, je suis les panneaux. Je regarde même plus le GPS. C'est simple. Enfin, il faut quand même que je le laisse au cas où, mais tu m'as compris, quoi. Putain, il me dit d'aller à gauche. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah, en fait, j'ai vraiment besoin du GPS, quoi. Parce que moi, je serais allé à droite, hein. Ils sont complètement cons, quoi. Y a rien d'indiqué. Oh, c'est trop joli. Eh, Volvo, franchement...
le sang de la veine. C'est assez amusant du coup que ce soit un Renault qui livre de l'huile moteur pour Volvo. Voilà. Bah après oui, non mais je veux dire, je trouve ça amusant quand même. Je trouve ça amusant. Et hop là, bonjour à tous. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Volvo Trucks. Parfait. C'est chez nous là, mon pote. C'est chez nous. Et hop là. La gendarmerie, bonjour. Oh là. Oh là, ouais, j'ai eu peur. Je me suis tellement concentré sur... Ah, en fait, oui, je fais un détour pour le Volvo, justement. D'accord. Ah, c'est bien, comme ça on a découvert le petit concessionnaire Volvo, c'est bien aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est ici. Et je vais un petit peu vite quand même. Hein. Hop là. Bonjour. Je suis un intrus. Et hop là. Ah, j'avoue, j'ai pas grand chose à dire, là je me concentre un petit peu pour... vous proposer évidemment le meilleur. J'espère que vous kiffez. Ah, c'est trop stylé. Ça m'a débloqué une nouvelle partie de map. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, c'est ici que tout se termine. Bonjour. J'aurais une manœuvre à faire ou pas là? Bon, on va descendre du camion, on va aller voir. Nani, nan. Ah! Ah ouais, oh bah si, allez, on va se faire la manœuvre les amis, on est là pour ça. Hein. On est carrément là pour ça. Alors, ouais bah bien sûr qu'on va faire la manœuvre. Bien sûr qu'on va faire la manœuvre. C'est rien ça. C'est rien ça. C'est de la gnognotte. Hein, on est tous d'accord. Hop là, alors... ouais. Attends, je suis encore en R3, c'est chiant ça. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un petit peu mal démarré, mais c'est pas grave. Faites confiance. Bon là, les pneus, oups, j'ai fait de la merde. Hein. C'est pas grave. Toute connerie se répare. Enfin là, du coup, c'est mal parti. Attendez, on va faire ça comme ça, regardez. On va faire ça comme ça. Voilà. Et hop, c'est parti. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un truc qui va pas là. Attendez, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à savoir quoi. Ah ouais, je me disais bien. Ah, c'est le poteau qui me fait peur en fait. Mais le poteau, il faisait rien. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum, j'ai foiré ma manœuvre pour rien en fait. Je suis désolé les amis. Putain, ça fait plus d'un an que je fais du Euro Truck, je suis toujours aussi merdique. Ah, ça c'est clair que si vous voulez voir des manœuvres de qualité, c'est pas ici, hein, mais ça vous le savez. Voilà. Un jour je saurai faire. Voilà. Oh, je suis pas droit mon pote, c'est frustrant. Hein. Mais ça marche, non? Allez, genre, c'est bon. T'as raison. Soyons un petit peu plus minutieux. Voilà. Va un peu plus vers là. Voilà. Et là, on est pas mal. Vas-y. Voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Là, on est bien, là. Ah là, je me suis fait juger par tout l'atelier Volvo. Ah là, je vous le dis. Tout l'atelier Volvo s'est foutu de ma gueule à mon avis. Hein. Ok, ça c'est fait. Nous sommes enthousiastes. Alors voyons voir. Je vous promets pas qu'on fasse une deuxième livraison, mais on va regarder en anticipation. On va se faire ça en mission rapide évidemment. Est-ce que à partir de là, nous avons une route qui nous emmène à la Joséphine? Le suspense, de toute façon, vous voyez la durée de la vidéo. Et non, il n'y a rien. Voilà, j'ai le seum. Ah, c'est terrible.
C'est terrible, c'est terrible. Bon bah les amis, on va aller se faire foutre. On va y arriver quand même. On va y arriver à le faire cette route, je vous le dis. Je vous le dis les amis, on va faire ça pour le prochain épisode si tout se passe bien, je pense. En tout cas voilà, ça fait une vidéo un petit peu plus courte, une petite vingtaine de minutes. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo. Merci à tous. Ciao tout le monde. We'll be right back.